Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Tony18 Salut! et du Farmer Normand. Salut à tous! Donc, pour cette présentation de mode, je vous fais la présentation du Fenvario T, donc un très gros tracteur. Donc, je vais laisser la fiche technique à Tony. Donc, vas-y, je t'en prie, Tony. Donc, alors c'est Fenvario T, 580 000 euros pour 565 chevaux. C'est bien ça? Et c'est exactement. Donc voilà, c'est un très beau tracteur. Juste les options, donc vas-y, je t'en prie. Ferme-leur. Ouais, donc c'est un tracteur où on peut monter à deux dedans pour le multijoueur qui c'est bien moi je trouve. À l'arrière on peut enlever le bras de relevage, ça aussi qui est intéressant, et plier le relevage avant, plus mettre les roues jumelées. Et il n'a pas le contrôle ici. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est un tracteur plutôt imposant comme vous le voyez. Donc on peut mettre des personnes imposantes dedans. Voilà. Je sais pas si dans votre team. Voilà, par exemple, nous dans la team on a des gens imposants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour ces personnes. Non, c'est un très beau tracteur. On en avait, je sais pas, moi j'en ai jamais vu des variétés sur farming. Même dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, dans farming, on voit souvent des gros tracteurs, des Xaeyans, des T9, des ce que vous voulez. Mais on voit très très rarement ce genre de Fen. On s'arrête au 1050 en général. Alors qu'il y a encore des gammes de Fen après. Hein. Ça s'arrête pas à 1050. Donc ce tracteur, il va à 55 km/h, donc une belle vitesse de pointe. Il va à 55 km/h. Mac a dit qu'on pouvait monter à deux dedans, ça c'est dit. À savoir que. Bah, en parlant d'Adrien, je le vois connecté sans ski. Ses oreilles ont dû siffler. Donc, à savoir qu'il tourne vraiment, il braque vraiment super bien ce tracteur, comme vous le voyez. Il a vraiment un rayon de braquage Tu vas peut-être le très très tester avec fort. une charrue, des chauffeurs, un truc comme ça, non? Bah écoute, j'ai pas de chance de chômer, donc, et puis je bug. Là, je sais pas pourquoi je Oh bug. merde. Donc voilà, il fait des beaux et tout. Je vous conseille vraiment de le tester, il est pas Des mal. beaux drifts. Adrien Par nous fait des contre, un point sur ce tracteur, drifts. si vous descendez du tracteur sans mettre le frein à main. Vous le retrouverez plus à sa place. Hein. Si c'est un peu en côte, il va monter ou descendre. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il va pas kiffer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, ça a été un véritable plaisir de la réaliser. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Salut à tous! Salut!